Shalom à tout le monde. C'est dans quand on fera le clip de ce morceau, Sidivo. Commencez à partager la vidéo, nous allons commencer l'heure du mystère. Beaucoup de choses seront dites. On va commencer à partager la vidéo. Shalom, shalom, je suis sur Paris. Depuis hier soir, je suis sur Paris par la grâce de Dieu. On dit pas bonjour Alain, on dit bonjour papa, c'est mieux que te dire bonjour. Alain Zadi, shalom à vous, je vous salue. La servante de Dieu, Bokola, Mélanie, shalom à toi. Shalom à toi, la servante de Dieu, Bokola. Bokola. Bokola, Mélanie. Da Silva, shalom. Shalom à Ben Sakou. Shalom à tous ceux de la brigade. Shalom à ceux qui aimeraient voir l'Afrique délivrée. Et ceux qui sont prêts à voir des personnes victimes de la sorcellerie être délivrées. Shalom à vous. Nous sommes dans un combat très noble. Nous voulons voir Dieu en train de délivrer des gens. Nous voulons voir la vie des gens être restaurée. Pour nous, vie d'entrée, shalom. La solution ne se trouve que dans notre Seigneur. Et pour nous, il est vraiment important de partager et de faire connaître le salut qui est véritable, véritablement en Christ. C'est pour cela que nous ne cessons de crier au fort et dénoncer la pratique de la sorcellerie. C'est pour cela qu'on nous appelle brigade anti-sorcier. Nous sommes une brigade pour alerter les gens contre ce mal cruel qu'est la sorcellerie. Ouais, j'ai payé la dette. J'ai payé la dette. Monsieur Sommeil, je ne le dois plus. Voilà, mes yeux sont devenus clean. Monsieur Sommeil, je ne te dois plus. Toi-même, tu sais. Il ne va plus me biper. J'ai payé la dette. Donc, tout va bien dans la tête. Je suis bien reposé. Lorette, shalom. Je me suis bien reposé. Voilà, je me suis très bien reposé. Tout va bien. J'étais trop fatigué. Trop fatigué. Problème de sommeil, fatigue. J'ai payé la dette du monsieur Sommeil. Le monsieur, je ne le dois plus. Je l'ai payé. Lui-même, il sait. Monsieur, j'ai payé. Donc, je suis bien là. Voilà, donc j'aurai plus l'espoir, sport. Footing. Je commence à perdre encore des poids.
Je viens encore, mon poids vient de chuter encore, j'ai perdu encore 5 autres kilos. Voilà, je pesais trop, hein, jusqu'à 104 kilos, c'était trop. Donc j'ai maintenant perdu 25 kilos. Voilà, j'ai perdu 25 kilos, c'est beaucoup là. Je vais perdre encore le poids. J'ai laissé un peu les tiquitis, mais de temps en temps, je mange les tiquitis. Mais tout va bien. Pour vous dire, tout va bien. J'ai une bonne mine, tout va bien par la grâce de Dieu. Je me suis très bien reposé. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je salue tout. Voilà, j'ai perdu. Dites à... au général, lui depuis de me suivre. J'ai perdu 25 kilos. Hein. Voilà, j'ai perdu 25 kilos encore. J'ai perdu 25 kilos. Donc dites à Ludovic, il n'a qu'à me suivre. Son ventre là de... comme il avait des triplés là. Moi j'ai commencé mes abdos. Ah, donc à chacun son sport. Voilà, chacun son sport. Et Zadi Lino, il faut faire sport aussi. Voilà, donc tout va bien. Ah, Manaïse, oh. Il y a Jésus, Panaïse, mais Anaïse, Shalom à vous les brigadiers. Commencez déjà à partager la vidéo. Nous verrons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mystère, mystère, des mystères, mystère, 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 mystère. L'heure est grave. Nous allons voir des mystères. Beaucoup de choses ce soir. Commencez à inviter les gens. Eh hey, ma fille Ange, je suis musicien. Hein. Moi je touche à beaucoup de choses. Hein. Ton daddy il est musicien plein. Hein. Artiste, compositeur, musicien et tout. Je peux vous fabriquer. C'est-à-dire je peux te former, tu devenir bon musicien. Quand on rentre en studio là, moi et mon arrangeur, c'est ce qui je veux, humain. Ouais, l'heure est bien respectée, c'est ça. Ah. Vous êtes à l'heure de la vérité, à l'heure des mystères. Quand on dit mystère, c'est les choses, n'est-ce pas, que les gens semblent cacher aux gens. Or, la parole de Dieu est pleine de mystères. Et Dieu nous donne l'onction de, n'est-ce pas, démystifier, vous éclairer sur certaines choses. La parole de Dieu est pleine de choses. Écrit, c'est la Logos. Et Dieu va nous donner le Réma, qui est des mystères. Les choses les plus cachées, nous aurons l'occasion de vous partager les choses. J'aurai l'occasion de vous partager les choses les plus sacrées. J'aurai l'occasion de vous révéler les choses les plus sacrées de la parole de Dieu. Les choses que les gens cachent. J'aurai l'occasion de vous les partager tout à l'heure. J'aurai l'occasion de vous donner des grandes connaissances. J'aurai l'occasion de vous donner
des grandes connaissances sur les choses les plus cachées. Et sauf cela que Dieu merci, vous qui suivez cette chaîne de télé, n'est-ce pas, la télé des mystères, nous allons partager beaucoup de choses, tout ça. Nous allons partager beaucoup de choses, tout ça. Nous allons partager beaucoup de choses, tout ça. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Accordez-moi juste deux minutes. Deux minutes. Est-ce que ça va chez vous? Si oui, commencez à envoyer les j'aime. Ouais, Aïdara depuis l'Angleterre. Que le Seigneur te bénisse. Suivez déjà. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends un nombre de personnes pour partager, pour commencer à vous donner l'enseignement. Commencez à partager la vidéo. J'informe à ceux qui vont recevoir ça sur le YouTube. Et nous sommes à cette date aujourd'hui, du dimanche 24 juin 2018, depuis Paris. Voilà, nous sommes pratiquement à 22h, heure de Paris et 20h, heure de l'Afrique. Voilà, un direct sur ma page Facebook. Et justement après, cette vidéo sera mise en ligne sur le YouTube, voilà. Donc ceux qui me suivent déjà, je demande à partager. Et ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, abonner et suivre les choses en temps réel, vous pouvez réellement commencer déjà à vous abonner à ma page. C'est tellement simple. Oui, bien de Sago de Miami. Vous allez commencer déjà à vous abonner. Vous partez sur Prophète Joël Crasso Ministère. Vous allez Prophète Joël Crasso Ministère. Vous cliquez. J'aime, ça dit vous abonner déjà. J'aime, vous faites l'abonnement et vous aurez, n'est-ce pas, l'intervention en temps réel. Et j'ai écouté Binta parler hier, merci. Les gens du Canada, on a entendu Binta. Binta, elle a rendu son témoignage. Binta, les gens du Canada se sont fait voir. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à communiquer très fort. Voilà, shalom à vous les gars du Canada. Très bientôt sur le Canada. Voilà, merci. Et c'est ça. Motivez-vous déjà, motivez-vous. Faites-vous sentir déjà. J'ai vu ma fille Binta vraiment s'exprimer, parler du ministère, défendre la cause du ministère, témoigner pour ce que le ministère a fait dans sa vie. Ce que Dieu a fait de sa vie au travers du ministère du prophète Crasso dans la vie de Binta. J'ai vu cette fille, n'est-ce pas, témoigner de la puissance de Dieu au travers du ministère de son père spirituel, le prophète Crasso. Voilà, donc j'ai vu aussi l'intervention. Voilà, on attend que les gens interviennent. Ceux de Bruxelles, ceux de la Belgique sont encore mieux. La page de Belgique, où les gens de Belgique, vous avez quel problème? Où est-ce là? Où est-ce là? Où sont les gens de la Belgique? Vous avez une plateforme Facebook, vous êtes encore mieux. Le Canada s'est fait voir avec un message très fort. Les gens du Canada ont commencé à s'exprimer sur les pages. Bravo à vous. Ceux de la Belgique, vous êtes où? Vous avez fui ou bien? Sur la page des les enfants spirituels du prophète Crasso en France, vivant très. On a aussi la soeur de Bordeaux qui s'est exprimée. On attend aussi que Suzanne Doté parle. C'est une servante de Dieu, elle est où? Elle intercède ou bien? Elle a un ministère d'intercession ou bien? Il faut qu'elle parle. Les gens rock là doivent parler. Jean Rock doit parler. Les pratiques fongées doivent parler. C'est votre page. Voilà.
Les Allemands ne les voient pas. La page Facebook. Voilà, donc vous devez vous exprimer sur vos pages Facebook. Voilà, par la grâce de Dieu. Ce soir, nous devons envoyer un culte. En direct tout à l'heure, je vais prêcher comment vaincre la sorcellerie familiale. Et j'aurai l'occasion de décortiquer un peu. On a vu un peu les mystères de la lune, les mystères de l'eau, les mystères. Suzanne Doté, tu intercèdes, mais on a besoin que tu parles un peu. Tu es une servante de Dieu. Il faut venir intervenir sur la page Facebook. Quand on a une conviction, on ne se cache plus. Quand on est convaincu de quelque chose, on s'exprime. Voilà, on s'exprime. Il y a aussi ceux de Miami. Miami, voilà, Ben Sagou. Dans ce temps-ci, il est un peu bancal. C'est un bancolo, mais il a dit qu'il avait déménagé. Sinon, ses grades étaient mélancés. Mais il est intervenu. Animez vos pages. Ceux qui devaient me voir, je suis Paris, je suis déjà à Paris par la grâce de Dieu. Juste vous dire, j'ai eu le temps aujourd'hui de me reposer, de préparer certaines choses. Et demain, nous commençons déjà à visiter, n'est-ce pas, certaines personnes qui avaient besoin de visites à domicile, certaines personnes qui avaient besoin de me rencontrer pour des problèmes de délivrance. On le fera à partir de demain. Demain, lundi, mardi, on a 2 jours finis pour boucler les visites. Et aussi, nous sommes en train de préparer aussi un grand programme. Le 8 juillet, c'est vraiment un programme, un lancement du culte, un grand lancement du culte ici à Paris. Nous allons lancer le culte à Paris. Tous les enfants, ceux qui peuvent être là, vous devez être là, ce grand culte. C'est à partir de 12h à 15h, de 12h à 15h. C'est à partir de 8. Donc tout le monde doit être là, ce culte-là, franchement. Personne ne doit manquer. C'est de 12h à 15h. C'est un culte. Ça dit qu'on vient à l'église. On ne parle pas de bouteilles. Celui qui aura peut-être besoin d'acheter une bouteille d'huile d'olive ou bien 3 bouteilles d'huile d'olive, il achètera. Donc, ce n'est pas un truc où on dit il faut forcément. Maintenant, celui qui veut contribuer, il contribuera. Mais ce culte-là, c'est vraiment un grand culte. Nous allons prier pour ceux qui ont besoin d'être dons, qui ont besoin d'être dons spirituels. De 12h à 15h. De 12h à 15h, ça démarre 12h midi et jusqu'à 15h on finit. On a 3 heures du temps pour, n'est-ce pas, avoir la bénédiction. Et pendant ces 3 heures du temps, ça sera vraiment un culte inédit, beaucoup de choses. Si vous voulez avoir don de parler en langue, si vous voulez avoir don de vision, si vous voulez avoir don de guérison, si vous voulez le pouvoir pour guérir les malades, parce qu'on dit qu'il n'existe pas le don qui a été donné par imposition des mains. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vous bénisse. Ceux qui ont eu les ministères éteints, ceux qui veulent encore être encore d'actualité, ceux qui veulent que Dieu bénisse encore leur ministère, vous devez être là. N'est-ce pas? Vous devez être là à ce programme. Et nous allons prier pour vous, pour que le Saint-Esprit pour que vous soyez réanimés de cette flamme du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une église vivante, pas une église morte. Une église où Dieu s'exprime, une église où les gens ont la capacité de voir les choses que l'œil nu ne peut voir. Et une église qui est capable de guérir insidien, de guérir un cancéreux, de guérir ceux qui ont la maladie incurable, le cancer du sang. C'est une église vivante, puissante, où ça ne repose pas sur une seule personne, mais où Dieu répand son esprit sur tout le monde. Wow, il faut que Dieu répandra son esprit sur tout le monde. Et nous attendons toutes ces personnes ce dimanche. Venez, nous allons commencer le premier culte. Et tous les dimanches seront au rendez-vous. Nous allons faire un culte maintenant désormais à Paris. L'église est ouverte. L'ouverture officielle, ça sera ce dimanche 8 juillet. À Vitry-sur-Seine, bien sûr. À Vitry-sur-Seine, tout le monde. C'est pas payant. C'est ouvert à tout le monde. Venez avec vos enfants. Nous allons aussi poser un acte prophétique dans la vie de vos enfants. C'est très important. Dans la vie de vos enfants, nous allons bénir les bonbons, leur donner des bonbons bénis. S'ils avaient des petites sorcelleries, si c'était des sorciers en herbe, nous allons couper l'arbre pour ne pas que ça devienne arbre, ils vont manger après. Tout ça là, pour que leur intelligence se développe. Il y aura beaucoup d'actions prophétiques pour les grands, pour les enfants. Voilà, donc ce culte là, vous devez venir. Voilà, venez d'abord à Paris. Venez à Paris et nous penserons, n'est-ce pas, voir encore pour l'Italie. Nous verrons aussi par la grâce de Dieu.
Nous verrons si, par la grâce de Dieu, ce qu'on fera ailleurs. Mais il faut d'abord lancer un premier culte. Le culte sera fait à partir du 8 juillet, ici à Paris. Tout le monde est invité. C'est vraiment un grand culte. Tout le monde. Nous sommes en train d'organiser. Shalom à toi, Ludovic. Nous sommes en train d'organiser le culte. Nous serons en blanc, n'est-ce pas, avec nos nœuds papillons. Le haut blanc et nœud papillon. Les hommes, vous venez en marche longue. Les marches longues et nœud papillon. Voilà, nœud papillon, nœud papillon. On n'a pas dit d'aller tuer papillon, Bruce. Pour venir, mais pour dire c'est un nœud qui est. Oui, un papillon, non. Nœud papillon. Voilà, nœud papillon, marche long blanc et tout ça. Nous allons voir, changer de design et tout ça. Et ce jour-là, on va essayer de montrer les responsables. Et à ce culte-là, on va essayer de faire appel à ceux qui ont besoin d'être baptisés. Et justement, juste après, et nous allons prier. Ce jour-là, j'imposerai les mains à tous ceux qui seront dans la salle. De la première personne jusqu'à la dernière personne, une action sera menée. Quand je te touche, je te scanne en même temps. Paf, je dis les choses, puis je continue. Nous allons imposer les mains à tout le monde. Mais venez avec le haut blanc, avec le nœud papillon. Voilà, le nœud papillon. Voilà, le nœud papillon blanc, la chemise blanche et puis un nœud papillon. Voilà, donc venez à ce culte-là. Bien habillé, c'est un culte. Ce n'est pas une question de comité d'organisation, c'est que c'est responsable des églises. Et nous allons, n'est-ce pas, ce jour-là, vous montrer les différents responsables de l'église, parce que c'est une église qui s'installe désormais sur Paris. Et à partir de cette église, nous allons faire bientôt, dans quelques temps, dans quelques mois, l'ouverture du centre de prière de l'Europe. On vous dira où sera exactement ce centre de prière. Voilà, afin que ça puisse créer le pont entre l'Europe et l'Afrique. Entre l'Europe et l'Afrique, pour que ceux... Nous sommes en train d'aider la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora a besoin d'être délivrée pour que ceux-là ils puissent, n'est-ce pas, venir investir en Afrique. Et ça, c'est vraiment très important. Nous pensons à vous, il y a des gens qui sont malmenés. Ceux qui sont malmenés par la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous, on a besoin de prier pour vous. Amen. Donc, le culte, c'est du 8, le dimanche 8. Et pour cela, nous avons organisé, n'est-ce pas, une réunion. Voilà, nous sommes en train d'appeler les enfants spirituels. Voilà, vous contactez Maman Bessora au 00 307 62 40 24 84. Vous l'appelez. Dans ces temps, on aura une réunion. On va essayer de voir une réunion. Déjà, les sœurs qui... Timoko, la pasteur Mélanie, Jean-Roch, tous les enfants spirituels seront avisés. Voilà. Neti, Timoko, tout cela, ils font partie de l'église. Donc, tout cela seront avisés. Mais s'ils ont doté, ceux qui veulent bien, on efface personne. Mais celui qui veut être membre de cette église, commencez déjà à nous contacter. Mais on va commencer à appeler les gens. On aura une réunion inédite. Une réunion, je pense que la réunion s'éteindra ce dimanche qui vient là. Voilà, Maman Bessora vous dira quand et où. Voilà, bon, le quand, c'est dimanche. Et puis, bon... On va sélectionner des gens pour réfléchir sur l'ouverture. Nous allons déjà organiser. Nous sommes déjà en train d'organiser. Ceux qui veulent aussi nous soutenir, gloire à Dieu. Ceux qui ont aussi des idées pour la décoration, gloire à Dieu. Ceux qui aimeraient vraiment faire partie de cette une grande église de feu et de puissance sur Paris, qui est l'église Pentecôte. Voilà, voici le nom de cette église. C'est l'église Pentecôte Authentique Internationale. L'église Pentecôte Authentique Internationale. Écoutez très bien, une église Pentecôte. L'église, le nom de l'église, c'est l'église Pentecôte Authentique Internationale. Ça va chauffer sur Paris. Ça va chauffer sur Paris. Voilà, ça va chauffer sur Paris. Venez vivre la puissance de Dieu ce jour-là. Ce jour-là sur Paris. Chemise blanche. Voilà, avec les nœuds papillons pour les hommes. Les nœuds papillons. Il faut qu'on ait les nœuds papillons. Qu'on vienne dans la présence de Dieu. En chemise blanche, voilà. Voilà, il faut que ça soit bien. Vous allez voir, tous les drapeaux seront représentés dans la salle, la décoration. Nous sommes en train de faire appel aux musiciens. Ceux qui aimeraient nous accompagner dans la musique, venez. Et que ce jour-là, déjà, nous, on commence déjà à être en contact avec les gens pour la musique. Ceux qui ont venu jouer, n'est-ce pas, animer les musiciens, ce jour-là, venez. Voilà. Voilà, venez d'une manière volontaire pour participer à ce culte inédit sur Paris. Déjà, il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. D'autres personnes arrivent de l'Angleterre. D'autres arrivent d'Italie. Donny Champion et sa famille arrivent d'Italie. D'autres personnes arriveront même de la Belgique. Ils sont en train déjà de s'apprêter pour venir pour ce grand culte. Voilà, ce grand culte de puissance sur Paris à partir du 8 juillet. Oh là là, celui qui va rater ce culte, mamma mia, ça ne sera pas bien pour lui. Parce qu'on va sortir de ce culte-là grandi.
une onction particulière pour voir les choses bénies, restaurées, bénies du Seigneur. Et ça, c'est très important. Je tenais aussi à vous parler de la convention. Je confirme que dans le mois d'août, il y aura une convention sur la Côte d'Ivoire. Voilà, une convention sur la Côte d'Ivoire à partir du jeudi 16 août au dimanche 19 août à Divo. Voilà, d'abord le thème, comment investir en Côte d'Ivoire. Et en même temps, ce qui est intéressant, tous ceux qui seront à cette convention, nous sommes en train de leur faciliter d'avoir des terrains, des portions de terre. Comment créer une pisciculture pour faire l'élevage de poissons, comment faire l'élevage de poulets, comment faire, n'est-ce pas, l'EVA, comment faire le cacao, tout ça. Président Seiko, il est le président des propriétaires terriens de Côte d'Ivoire et en même temps PCA de MCA en train de prendre toutes les, n'est-ce pas, toutes les informations possibles, tous les papiers réunis à la fois pour vous aider à avoir une portion de terre en Côte d'Ivoire. Celui qui aimerait avoir une portion de terre à Grand Laou, celui qui aimerait avoir une portion de terre à Gagnoua, celui qui aimerait avoir une portion de terre à Divo, vous venez à cette convention et on vous facilitera le temps d'avoir avec les papiers à l'appui. Voilà, et puis vous allez avoir des gens pour vous encadrer, pour faire l'aubergine, pour faire tomate. Tomate en 3 mois, ça peut déjà, 1 hectare de tomate en 3 mois peut déjà te rapporter, n'est-ce pas, 4 millions minimum, 3 millions de francs CFA. 1 hectare de gingembre en 1 an et demi, ça te fait 20 millions de francs CFA. Aussi, le concombre, vous voyez, déjà en 3 mois de production de concombre, en 3 mois, ça te fait déjà 6 millions de francs CFA. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. Nous allons vous parler aussi comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie et en même temps, nous allons aussi parler de l'investissement. Pendant que nous parlerons de l'investissement, et n'est-ce pas, nous allons vous faciliter en vous donnant des terres, mais pas gratuit. Moi, ne pensez pas que le prophète vous donne ça. Non, on va vous faciliter, c'est-à-dire que ce que vous allez avoir peut-être cher, ce que vous allez avoir cher ailleurs, nous allons faciliter les choses avec des titres, des papiers, des titres fonciers. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous aurons des grands juristes qui seront là à cette convention pour vous dire ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Donc, nous avons pensé à l'Afrique. Ma tournée européenne donne ça pour dire la convention que nous allons avoir. C'est une convention qui va parler le thème, comment verser en Afrique, comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Et quand vous allez venir, vous allez avoir des experts qui vont vous parler, n'est-ce pas, de comment cultiver. Et si vous voulez faire l'élevage de poissons, on a déjà des portions, on a déjà des endroits, que ce soit lagunaire, on a déjà des endroits avec le président Seiko. Nous sommes en train de travailler sur le projet. On a déjà bouclé le projet. Avec le président Seiko, on a déjà bouclé. Parce que pour nous, c'est votre investissement qui nous intéresse en Afrique. Nous sommes en train de boucler sur ça. Et si vous voulez venir à cette convention, on a déjà des voitures disponibles. Vous avez déjà appelé Barou Production pour les voitures. Et le séjour, vous appelez Barou Production. Vos séjours seront garantis, n'est-ce pas, avec les hôtels Apart Abidjan. Vous serez aussi, vos séjours seront garantis avec des véhicules de Barou Production. Et tout ça pour la liaison entre Abidjan et Divo. Donc, pour dire, vous serez vraiment à l'aise. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez avoir des portions de terre, nous sommes en train de préparer déjà tout ça. Quand vous allez rentrer après la convention, pendant la convention, si un endroit de la Côte d'Ivoire vous intéresse, que ce soit à Grand Laou, que ce soit, n'est-ce pas, à Divo, que les endroits vous intéressent, voilà, nous créons déjà la chose parce qu'il y a déjà une plateforme. Je peux vous dire, on a pris du temps pour créer tout ça et dès que vous êtes prêts, on vous vend, vous aurez les terrains, vous aurez les terrains déjà et puis bon, on va mettre les techniciens en place pour vous aider et il y aura un suivi pour que demain, que ta présence ici en Europe ne soit pas vain, que tu sois en mesure de réaliser quelque chose. Et voilà, donc j'ai promis voilà, de le faire et ces choses faites. Donc je vous donnais aujourd'hui une information de taille, parce que bientôt, nous sommes bientôt à la fin du mois de juin, donc il fallait que je vous donne cette information. Le président Seiko, qui est le spécial de Barou Production, vient de boucler. Il est en même temps le président des propriétaires terriens. Mais je vous informe que le jeudi, le président Seiko, le jeudi, fera un direct à partir de Barou Production, à partir, n'est-ce pas, de le Facebook, le compte Facebook de Barou Production. Vous rentrez dans les moindres détails de tout ce que je suis en train de dire pour vous dire, nous, ici, dans notre ministère, et surtout à Barou, quand on dit, on fait. Quand on dit, on fait. Quand on dit, on fait. Voilà, je viens de causer avec lui, il vient de boucler pas mal de choses. Il est le président des propriétaires terriens. Il a celui à qui appartiennent les terres de Divo, c'est président Seiko, le président terrien. Il est le président des propriétaires terriens de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est le président de ceux qui ont tous les terres de Côte d'Ivoire. Et lui, il a la tête, c'est lui le président. Voilà, donc il a la facilité de vous tourner les terres. Voilà.
Oui, que ce soit à Abidjan, que ce soit, n'est-ce pas, à Gagnoua, que ce soit à Grand Laou, on a déjà les plateformes. Ceux qui veulent déjà faire, n'est-ce pas, l'élevage, on va vous donner, on a déjà des techniciens. Ceux qui veulent faire l'élevage, ceux qui veulent faire du chou, ceux qui veulent faire, n'est-ce pas, l'agro-business, l'agro-business. C'est pas que Barouk va avoir la main là-dessus, non. On vous crée la terre, vous avez les terres, vous avez des papiers, on vous donnera les papiers et puis les terres. Vous allez les acheter, nous allons suivre la chose. Et d'une manière légale, c'est pas illégal, légal. Et nous allons même les techniciens vous aider à réussir dans votre vie. C'est ça. La vision du Père, c'est ça, notre vision. C'est de vous aider à réussir dans la vie. Nous ne sommes pas en train de faire blabla, blabla, blabla sur les Facebook. Nous autres, nous combattons la sorcellerie et nous permettrons aussi à la diaspora de s'asseoir. Sauf cela que la fondation, l'ONG Espoir de Vie Europe, c'est notre but ça. Pour que la diaspora ne repère pas ses repères et que la diaspora... elle a, n'est-ce pas, cette capacité de réaliser. Et maintenant, si tu n'as pas d'idée, on a du coaching. On va te donner les idées. Par exemple, tu ne sais pas. Tu as de l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais. On te donnera aussi du coaching. Donc, pendant cette convention, du 16 jusqu'au 19 août à Divo, ça sera en direct d'ailleurs, par les réseaux sociaux. Vous allez voir, on a décortiqué avec des experts. Ça dit, au fait, ce n'est pas de l'amusement, avec des experts qui rentreront en contact, qui vous expliqueront beaucoup de choses à faire à la fois, qui vous expliqueront beaucoup de choses, comment investir, comment créer un champ de j'aime-j'aime qui va vous rapporter en un an et demi 20 millions la récolte. Ce n'est pas parce que vous allez vendre Yamakouji seulement sur le marché, sur les tables, comme l'a fait notre maman Djoula à Djoulaboukou ou bien à Logodjougou. Non. Quand vous créez le champ de j'aime-j'aime, j'ai déjà une société à Abidjan qui attend prendre, acheter ça avec vous. Voilà. Il y a une société qui est là, qui va acheter ça avec vous. Ce n'est pas question de dire Nyamakoube, 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 Nyamakoube. Non, ce n'est pas question de Nyamakoube. Ce n'est pas aller à Logodjougou pour vendre. Non, ce n'est pas une question de Logodjougou. Pendant que tu entends de faire ton champ, déjà, il y a une société qui vient acheter. La société est déjà là. Donc, quand tu finis, quand ça rentre en production, la société vient acheter. Et les 1 hectare, si tu n'as rien eu, c'est 20 millions. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, n'est-ce pas, qu'on appelle concombre. Les concombres, vous voyez là. Les concombres, là, c'est de l'argent. Toutes les plateformes des sociétés, qu'on appelle la société, les Carrefour, les Socosé, tout ce que vous voyez, Cap Sud, Cap Nord, et les grandes plateformes, n'est-ce pas, Abidjan, des grandes sociétés, ils achètent ça pour leur restauration, n'est-ce pas, dans les restaurants. Donc, quand vous avez déjà ça, on a un circuit. On a le circuit, vous avez déjà ça. Pendant les 3 mois que vous êtes en train de faire la production, vous prenez, il y a déjà la société qui est là, qui viendra acheter. Le minimum, le maximum, c'est 6 millions. Le minimum, vous avez peut-être 4 millions de francs. Voilà, le 4 millions de francs. Et ça vous fait déjà, vous croyez, en chaque 3 mois, 4 mois, vous avez déjà 4 millions minimum ou 6 millions minimum, maximum. Et donc, vous pouvez déjà économiser déjà. Et pendant cette convention, on vous créera des plateformes, n'est-ce pas, des banques. Les banques qui vont vous suivre dans vos projets au niveau de l'Afrique. Voilà, voici le combat que nous menons. Au-delà de ce que nous faisons, nous allons créer, nous allons envoyer des experts, des banquiers qui vont venir, qui vont vous expliquer comment ouvrir un compte en Afrique, voilà, comment ouvrir un compte en Côte d'Ivoire et tout ça, et puis en même temps vous suivre. Et dans l'investissement que vous êtes en train de faire dans l'agro-aliment business, on ne prend pas l'argent, nous on vous crée. Non, vous créez la plateforme. Ce n'est pas question de prophète que va prendre l'argent. Non, tu as l'argent en main et puis on te montre, voici le terrain, voici ce que ça peut coûter. Et avec les papiers fiables, nous sommes dans l'affaire de Dieu. Donc, nous ne sommes pas en train de vous mentir, vous rencontrer des bêtises. Des papiers fiables et vous achetez des terrains et nous vous accompagnons dans vos projets. Maintenant, le projet, si ça doit aboutir à l'achèvement, à acheter une maison, nous créons le contact avec une banque que vous-même, vous allez créer, ouvrir une banque, un compte et puis... ça va se faire comme ça. Vous allez pour avoir acheté une maison, pour avoir une maison à Abidjan, 2 ou 3 maisons à Abidjan. Frère, est-ce que c'est pas bon? Voilà, donc priez pour nous. Voici, donc je devais vous donner cette information d'étage aujourd'hui pour dire que la convention est centrée sur comment investir en Afrique. Et vous allez voir dans les moindres détails avec les juristes. Ce n'est pas faire de l'amusement. Voilà, Barouk, ma société qu'on appelle Barouk Production, c'est une société fiable. Voilà, qui a son agrément, qui paye ses impôts et qui travaille. Voilà, qui travaille. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça ne serait pas seulement chasser des mains, sorcellerie, ton père veut te manger. Ah, il veut manger. Non, on va se créer sur le business. Peut-être que tu n'as pas d'idée, mais on te créera des idées. Si vous voulez faire l'EVA,
Pour le moment, on va vous déconseiller ça parce que on s'est dit non, l'EVA, ça prend des années. On va vous déconseiller l'EVA. On va vous commencer à vous parler d'agro-business, c'est-à-dire l'aubergine, les piments. Vous voyez les piments bec d'oiseau, les piments en 2-3 mois, en 3 mois déjà, ça vous fait déjà des 5 millions, 6 millions par état. Donc, on va commencer à vous parler du business comme ça pour que chaque mois, chaque 4 mois, chaque 5 mois, vous puissiez déjà économiser. Si vous n'avez rien mis en compte, au moins 1 500 000 francs en compte, au fur et à mesure, ça pourra vous permettre de construire une maison. Voilà. Voilà, l'investissement en Afrique, c'est plus important. Ça va commencer, on va commencer la convention le 6. Le jeudi 6 août au dimanche 19 août. Nous démarrons la convention à partir du jeudi 6 août et nous finirons la convention le dimanche, n'est-ce pas, avec des experts. On aura aussi des universités qui seront là, qui vont débattre aussi le sujet. Voilà, style la sorcellerie. On va avoir des banquiers qui seront là à cette convention, qui viendront, là. Et on verra aussi des experts, n'est-ce pas, en élevage, des gens qui sont des éleveurs, des agriculteurs qui seront là. Et puis en même temps, on aura aussi des propriétaires terriens qui vont vous faciliter l'achat des terrains. Voilà, donc voici une annonce de taille que je viens de vous partager. J'attendais aujourd'hui et la confirmation du travail que Barouk est en train de faire sur le terrain pour vous partager. Donc pour vous dire, ne vous inquiétez pas, pour vos séjours au niveau de la Côte d'Ivoire, le président Seiko qui est, du 16 au 19 août, au fur et à mesure, nous allons rentrer dans les moindres détails de tout ce qui sera fait ce jour-là. Ça sera vraiment quelque chose de balèze. Et voilà, tous ceux qui seront là, ils vont bien manger. Ils mangeront très bien, ils seront à l'aise, ils seront bien logés par la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Le prophète Crasso, quand il dit quelque chose, c'est bien fait. Et on aura aussi l'occasion de faire la pose, la première pierre du temple de 2000 places à Divo. Un temple qu'ils ont construit qui va prendre 2000 places et au sein de cette église, il y aura, n'est-ce pas, on aura aussi un supermarché, on aura aussi un complexe scolaire dans les environs et puis, n'est-ce pas, un hôtel, des résidences, tout ça. Donc c'est tout ça, voilà. Et tous ceux qui viendront, n'est-ce pas, à cette convention, ils partiront de cette convention vraiment bénis. Voilà. Et si vous avez peut-être un business, des affaires que vous n'arrivez pas peut-être à gérer, voilà, que vous n'arrivez pas à gérer, tels que des business que vous n'arrivez pas à gérer, on mettra Barouk là pour pouvoir vous aider à la gestion de vos éveillards, la gestion de ce qu'il y a à faire, parce qu'il y en a des techniciens pour vous aider. Parce que c'est vraiment très important. C'est vraiment très important que toi, qui sois en Europe, tu es là dans la diaspora et que aujourd'hui tu n'arrives même pas, tu as fait confiance peut-être à des gens qui t'ont anarqué. Voilà, donc pour vous dire, c'est confirmé, je confirme la convention, elle aura bel et bien lieu. Voilà, les gens doutaient, est-ce que parce que depuis le père ne parle pas de la convention, si la convention est confirmée, on devait avoir ça au début du mois de d'août, on a juste décalé les dates pour correction d'organisation, pour problème de question d'organisation, c'est du 16 au 19. Je n'avais pas dit que l'église ne tiendra pas, dès qu'on finira la convention, l'église va continuer ici, n'est-ce pas, au niveau de Paris. Et c'est pour cela qu'on aura l'occasion d'en parler, tout ça. Et j'aurai l'occasion aussi d'arriver aussi aux États-Unis. Maintenant, je suis en train de parler. J'ai eu toutes les informations concernant l'Angleterre. Voilà, maman Bessoura est revenue de l'Angleterre. Elle a fait les réunions avec tout le monde là-bas. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, félicitations pour d'avoir facilité son séjour en Angleterre, à Londres. Shalom à vous, les Anglais. Que le Seigneur vous bénisse et... C'est possible que je sois en Angleterre à partir du 24 jusqu'au 27. Voilà, 27 juillet. Voilà, donc pour dire, c'est confirmé, je serai en Angleterre juste pour quelques jours. Voilà, pour quelques jours, pour préparer, pour être avec les Anglais, pour être à Londres dans quelques jours. Dans quelques jours, je serai en Angleterre. Voilà, maintenant pour vous dire, à partir du mois de juillet, tous les dimanches, je serai au culte. Tous les dimanches, on aura des cultes sur, n'est-ce pas, Paris. Voilà, donc voici l'information. C'était vraiment... une information de taille, sans toutefois me répéter, parce que moi, la répétition est pédagogique. Je vais parler de ceux qui veulent, bien sûr, qu'on les aide. Je suis déjà sur Paris. Commencez à nous écrire. Voilà, c'est pour qu'on puisse vous rendre visite, pour prier pour vous. Je suis sur Paris pour 2 jours. Voilà, je suis Paris pour 2 jours. Ça dit demain, lundi et mardi. Voilà, par la grâce de Dieu.
Maintenant, sur Facebook, nous avons des plateformes sur Facebook. On a les enfants spirituels du prophète Crasso en Italie. On a les enfants spirituels du prophète Crasso, la page Facebook d'Italie, gérée par Donny Champion. Celui de Canada, géré par Agnès, ma fille, Shalom, de Madame Paulin. Voilà, maintenant, Madame Paulin. Voilà. Et puis, n'est-ce pas, celui de l'Angleterre, géré par Aïdara. Celui de Belgique, je crois que c'est... qu'on appelle... voilà, donc, la Belgique. La Belgique, Sila. Prosper, Sila, Prosper, je crois. Voilà. Voilà, donc, puis la France. Nous avons aussi la France, la page... Et l'Angleterre, et l'Allemagne, maintenant, on va mettre maintenant le frère qu'on appelle Jean-Pierre. Voilà, donc c'est pour dire, mettez aussi les pages Facebook des différents. Nous sommes en train de réunir tous les enfants spirituels dans le monde, dans aussi les différents plateformes pour vous encadrer. Les États-Unis, c'est dans le mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, c'est dans le mois de septembre, je serai aux États-Unis. Voilà, juste après la convention, je ferai un crochet aux États-Unis. Enfin de pouvoir aider. La convention aura lieu à Miami. C'est pour cela que pour le moment, je n'ose pas parler de ça parce que ce n'est pas encore d'actualité. Pendant la convention, on aura l'occasion de parler de ça. Donc, je serai aux États-Unis dans le mois de septembre. Je serai aux États-Unis par la grâce de Dieu. Dans le mois de septembre, je serai aux États-Unis par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, mettez-vous déjà sur la page Facebook. Ceux qui sont déjà amis, ceux qui sont déjà les vrais enfants spirituels. Je n'ai pas de faux enfants. Je n'ai pas des gens pour venir nous emmerder. Je n'ai pas des gens qui sont vraiment engagés dans la foi, qui sont en train d'engager. Marley, je pense que tu dois maintenant animer la page Facebook de la Belgique. Voilà, mettez-vous là. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on puisse vous connaître. Voilà, vous connaître et tout ça. Et puis maintenant, vous encadrer. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain soir, nous allons toucher l'aspect sujet de prière. Nous allons prier, on aura quelques minutes pour prier. Sous ceux qui ont des sujets de prière, commencez déjà à les balancer. Voyez de nos champions, c'est de nos champions qui est chargé de coordonner avec Abraham, mon informaticien de Divo, qui est chargé de coordonner toutes les pages Facebook. Vous voyez de nos champions, ceux qui veulent vraiment s'engager, vous voyez de nos champions par rapport à ça. Voilà, s'exprimer sur les pages. Vous voyez Donny Champion, vous voyez Abraham aussi. Ils feront le retour, vous donnera le OK. OK. Maintenant, les sujets de prière. Vous avez vraiment des sujets très sérieux. Vous voyez Donny Champion, envoyez ça par inbox, les sujets de prière. N'oubliez pas aussi d'apporter votre soutien au ministère. Ça, c'est vraiment très important. Et à la Fondation Prophète Joël Crasso. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, demain soir, nous allons, n'est-ce pas, donner un enseignement comment Dieu peut délivrer une personne, n'est-ce pas, de l'angoisse. Je vais beaucoup expliquer beaucoup de choses et nous allons prier en direct pour des personnes en difficulté. Voilà. On dit Toulouse, rien, mais dans quelle page? Bah, Toulouse, vous rentrez sur la page d'enfance pour le prophète Crasso en France. Là, non, on ne va pas mettre Toulouse à part, on ne va pas mettre les villes. Non. Toutes les villes françaises, vous avez la page Facebook des enfants spirituels du prophète Crasso, France. Voilà, donc on ne va pas partager les villes. Non. Vous avez nos pages. Ceux de la Côte d'Ivoire, Da Silva. Voilà, Da Silva, c'est toi qui gères la page, prophète Joël Crasso de la Côte d'Ivoire. Vous allez commencer à trouver quelqu'un pour s'exprimer sur cette page. Parce que nous allons occuper les réseaux sociaux. Du lundi jusqu'au dimanche, nous allons nous exprimer. Pour nous, nous allons nous réveiller et commencer à mater la sorcellerie. Ouais, stratégiquement parlant, dans la communication, pour amener pas mal de personnes à comprendre et démanteler les réseaux. Le diable entend de préparer des grands réseaux et nous allons l'occasion, j'aurai l'occasion après cette organisation, au fur et à mesure, nous allons démanteler leurs réseaux. Nous allons vous expliquer les choses les plus cachées. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre. Voilà, beaucoup de choses. Comme je disais, à partir de l'hôpital, les gens gèrent mal nos enfants dans les hôpitaux parce que la plupart des enfants sont en contact avec la franc-maçonnerie. Et donc, bientôt, très bientôt, les gens sont en train de préparer une puce. Très bientôt, ils sont en train de préparer une puce franc-maçon. Ça dit qu'en 2020, d'ici 2020, quelque chose, la franc-maçonnerie est en train de préparer. D'ici 2020, ça sera vraiment une catastrophe. D'ici 2020, ils vont mettre en place la puce 666. Ça dit que là, un enfant doit maintenant avoir un code barre. Voilà, en lui. Et ça, c'est ce code-là,
c'était déjà prédit par la Bible. Et ce code-là, c'est le chiffre 666. Et ça, nous sommes en train de vous préparer déjà à faire très attention. Voilà. Les gens, déjà, ils font la prise de sang. La prise de sang, à partir de cette prise de sang, on peut déjà savoir si l'enfant sera intelligent ou pas. Voilà. Avec le pouvoir de la franc-maçonnerie, on peut déjà savoir si l'enfant peut être intelligent ou pas. Et puis, déjà, on peut déjà neutraliser son système de développement. Voilà, son développement intellectuel. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'enfants sont autistes, tout ça. Voilà, on peut déjà développer. Parce que la prise de sang, c'est la sage-femme, c'est les médecins qui sont en premier contact avec les enfants. Donc, il y a plein de choses qu'on va vous expliquer. C'est pour ça qu'abonnez-vous à certaines pages. Et au fur et à mesure, nous allons vous expliquer, et nous allons vous donner des révélations, des détails, comment le diable travaille, tout ça. Tel que la pédophilie, par exemple. Pourquoi les gens, ça les intéresse d'avoir des rapports sexuels? Excusez-moi, hein, peut-être. Pourquoi ça les intéresse que les enfants, leur cible, c'est les enfants? Pourquoi? Parce que faire de l'amour pour eux, ceux qui sont dans ce secte-là, pourquoi faire l'amour avec l'enfant dans la nuit? Excusez, parce qu'ils se disent que le péché est rentré par la femme et que l'enfant qui vient de naître a un pouvoir. Quand tu le sodomises, tu requêtes tout son pouvoir. Et malheureusement, c'est pour ça que les gens, la plupart des gens, là, c'est pas parce qu'ils n'ont rien, ils trouvent quelque chose dedans. Ils en trouvent un profit. Mais c'est un pouvoir mystique. C'est-à-dire qu'ils recueillent toute la bénédiction de l'enfant. Voilà, qu'on sodomise. C'est pour cela qu'il faut dénoncer cette pratique. Voilà, il faut dénoncer cette pratique. Il faut dénoncer cette pratique. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de nous organiser. Au fur et à mesure, nous allons dénoncer ces pratiques-là. Voilà, sodomiser un enfant, un garçon, on le sodomise. En le sodomisant, on recueille, on prend toute la force, on soustrait, c'est-à-dire on prend toute sa force. Et puis, le gars qui est peut-être franc-maçon, qui a un pouvoir mystique, il régénère son sang, il régénère tout son pouvoir mystique. Donc, c'est tout ça que nous allons, n'est-ce pas, dénoncer. Voilà, c'est tout ce que nous allons dénoncer. Et c'est cela que, au fur et à mesure, nous allons dénoncer le fait que aussi, dans ce monde-là, il y a des personnes, vous voyez, ne sont pas des êtres humains, ce sont des démons en chair. Et ça, c'est pas étonnant parce qu'au temps de Moïse, au temps de Noé, il y a des esprits qui descendaient, qui s'accouplaient avec des hommes. Donc, au fur et à mesure, nous allons vous expliquer comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas un être humain, qui est un démon en chair. Comment le reconnaître? Voilà. Nous allons vous expliquer ça. Voilà. À partir déjà des tatouages que vous voyez, vous pouvez reconnaître un démon en chair. Quelqu'un qui n'est pas un esprit. C'est pour ça que faites attention à des tatouages. Les tatouages que vous faites sur le corps, ce sont des symboles de code. C'est des codes mystiques. Tel qu'une personne qui vient, qui fend sa langue en deux. Voilà. Et puis vous montre ça sur Facebook. Directement, comprenez que la personne que vous voyez, elle n'est pas un être humain, c'est un démon. Parce qu'un être humain normal ne peut pas aller fendre sa langue. Avoir une langue pendante. Ça vous dit que la personne qui entend qui a les langues enfendues et qui se plaît dedans, ça veut dire que c'est sa vraie nature qui est un démon. Tel que les gens qui font du piercing. Voilà, c'est des choses que j'ose expliquer. Le piercing sur la langue, c'est un signe démoniaque grave. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Le piercing, c'est un code qui appartient aux esprits, qu'on appelle les esprits, les gens disent extraterrestres. Le piercing sur les langues, les trucs comme ça, c'est des codes. Peut-être que d'autres ne savent pas, mais c'est des codes diaboliques. Quand tu as ça, ça attire des esprits sataniques et des esprits maléfiques. Voilà. Le piercing sur les nombrils, par exemple, ça, c'est comme un code. Les esprits qui cherchent des énergies, les esprits qui se codent à partir de là, parce qu'à partir de ton cordon ombilical, à partir de là où il y a ton nombril, c'est là que se connecte, n'est-ce pas, le pouvoir des ténèbres. Il peut se connecter à partir de là pour te commencer à te nuire. Sauf cela que, frère, si tu sais que dans la famille, il y a une sorcellerie familiale, qui te détruit et que de temps en temps tu les vois en rêve, tu vois cette sorcellerie en rêve, tu vois que les gens t'attaquent, faut te lever comme ça et pendant cette nuit, puis tu dis je me déconnecte. Parce qu'il ne faut pas qu'ils te voient, tu me déconnectes. Parce qu'à partir de là, c'est le lien de sang. À partir de là, le lien de sang. Donc, tu te mets là et tu te déconnectes à partir de 1h du matin, pendant une semaine, vous vous déconnectez de tout lien de sang. Vous déconnectez, vous allez voir que la connexion sera faite parfaitement. Vous serez déconnecté de tout ça. Donc, c'est au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure, je vais commencer à vous expliquer les choses qui se passent. Ici, c'est la chaîne des mystères. Nous ne venons pas insulter les gens. D'autres chaînes, ils insultent.
Ah, lui là, il n'est pas de Dieu. Lui n'est pas de Dieu. Non, ne venez pas pour ça. On vous montre, on vous dit avec les preuves à l'appui. On vous dit avec les preuves à l'appui. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Là où maintenant, le monde est devenu dangereux. Le monde est devenu mauvais. Voilà. Et quand quelqu'un a un serpent sur le bras, aïe, 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 c'est dangereux. Ça veut dire que c'est le signe de la bête. Quand quelqu'un, une fille, un serpent ou un truc, c'est une alliance que la personne a tissée avec le diable. Les tatouages, je vais revenir encore là-dessus, les tatouages. Les gens qui aiment se tatouer parce qu'ils ont envie de se tatouer, ça sera très grave. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir les esprits. Je vais commencer à ouvrir les esprits. Voilà. Comment on peut aller faire piercing dans les paupières. Comment aller faire les trucs. Il y a des choses, je vais vous expliquer. Ça va peut-être vous étonner. Mais c'est fait à destin. C'est pas fait comme ça par hasard. C'est fait, c'est des codes. Voilà, c'est des codes. Peut-être que d'autres ne savent pas. Voilà. Voilà. Donc, au fur et à mesure, mettez-vous ensemble. Donc, demain, je reviendrai à partir de 22h si tous ces signes, démoniaques, pour vous ouvrir les yeux. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas prêts dans ce combat-là avec nous, dégagez. Nous, on a besoin des gens. Quand il y a eu le combat de la chasse aux sorcières, c'est des hommes courageux qui sont rentrés dans ce combat et qui ont mené ce combat. Si vous voulez qu'on vous aide, commencez déjà à être courageux, à exprimer, n'est-ce pas? Parce que quand tu as une conviction, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de t'exprimer, tu parles librement. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer comment la sorcellerie dans un village a soubré. Les gens qui ont l'habitude de dire non. Non, il y a des gens qui disent non. Ma maman ne peut pas me tuer. Mon papa. Non, honorez vos pères. Oui, on honore nos pères, on honore nos mères. Mais n'oublie pas que la maman peut avoir l'esprit de la sorcellerie. Le père peut avoir l'esprit de la sorcellerie. Moi, je n'ai jamais mis la division entre les pères et les filles. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, la maman peut être sorcière, le papa peut être sorcier. Ça, il ne faut pas exclure ça. Donc, je vous montre une image des choses que j'ai vécues. Moi-même, personnellement, un papa qui allait envoûter son fils et qui a mis sa chance dans une tombe. Et voilà, et qui l'a rendu hémiplégique. C'est-à-dire, il a fait la tension. Et cette tension ne savait même pas d'où ça venait parce que la tension que le monsieur qui faisait ne pouvait pas l'envoyer à faire une chute. Quelqu'un qui a une tension normale, qui a 12, et qui fait la tension, la crise de tension, et qui devient hémiplégique. Voilà, donc les gens ont vu que c'était un mystique. Et c'est comme ça que le monsieur m'a contacté. Et quand il m'a contacté, j'ai dit que c'est ton père. Et lui, il avait du mal à accepter ça. Ok? Et je suis allé dans son village. Voilà. Donc, voyez la vidéo. Voilà, maintenant, je vais revenir sur les vidéos pour vous enseigner beaucoup de choses. Parce que chacun a son don. Frère, chacun a son don. Quand vous êtes là, ça, c'est de la publicité. Les gens, ils babadent. Le prophète Crasso, j'ai plus de 5000 vidéos. 5000. Je peux vous parler de la sorcellerie, comment c'est négatif. La sorcellerie est trop négative. C'est pour cela que je suis révolté contre la sorcellerie. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Et je reviendrai sur beaucoup de choses. Comment les sorciers vont cacher passeport dans une tombe? Je vais vous montrer des choses maintenant. Il faut que je vous montre les choses. Voilà. On va suivre. Regardez, suivons la vidéo. Dans le cadre de notre travail, des institutions, le royaume, des ténèbres. Je suis entré en contact avec quelqu'un, le taquet Raphaël, Guédé Raphaël, malade, il était, n'est-ce pas, qui a fait une liturgie. Ça fait maintenant pratiquement 7 ans. Et c'est soit son père qui l'avait détruit, son père en fait qui l'a détruit en sorcellerie. Il a avoué ses faits, il a avoué ça, n'est-ce pas. Mais nous sommes maintenant à la restitution, parce que ça ne s'agit pas de parler seulement. Ben nous sommes juste à la restitution. Le frère a dit qu'il a enfui ça dans une tombe. Depuis la dernière fois, cette fois-ci, maintenant, c'est la restitution. C'est ce qu'ils sont venus faire une action prophétique pour que le monsieur reçoive, n'est-ce pas, sa bénédiction et en même temps sa guérison. Parce que généralement, les gens disent quand le sorcier gâte, il ne peut plus réparer sa faute. Nous sommes venus là juste pour une action prophétique. Ça ne veut pas dire que nous faisons des cultes aux morts, non. Nous croyons que quand un mort est mort, il est mort, c'est fini. Parce que la Bible dit que les premières personnes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes juste là pour une action prophétique, pas pour faire un culte aux morts. Nous n'adorons pas les morts, nous ne croyons pas que les morts sont encore vivants. La Bible dit que quand un mort est mort, il est mort.
les plus vieilles personnes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Mais c'est une action prophétique. C'est lui qui enfouit la bénédiction dans la tombe. Savait que lui qui tombe là pour restituer, n'est-ce pas, la bénédiction. Ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Très bien. Donc le papa avoue que la maladie dont souffre son fils, je viens, et le papa, ce jour-là, il m'a attaqué. C'était dans un village qu'on appelle Upoyo. C'est, n'est-ce pas, à Soubré. Son papa m'a attaqué mystiquement toute la nuit. Il m'a attaqué. Ah, le frère, le vieux là, il m'a brillé la nuit. Je vois que la maison est devenue chaude comme ça. La maison est devenue chaude comme ça. Jusqu'à, il tourne tout. Je vois quelqu'un tourner autour de la maison. Jusqu'à matin, il est venu lui-même à 5h du matin, 6h plutôt. Il dit, ah, il va parler à l'homme de Dieu qui est venu là. Parce que lui-même là, il a fait des choses la nuit là. Il n'arrive plus à dormir. Donc il tremble. Il est dans un pain. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ta sorcellerie tu fais là. Tu penses qu'il n'y a pas de limite. Tu tues. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on mange. Monsieur, ce n'est pas tout le monde qu'on mange. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, lui, il a dit, voici ce que j'ai fait à mon fils. Voici ce qu'il a fait mon fils, voici ce qu'il a fait mon fils. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, oui, en réalité, mon fils là, il souffre parce que je suis allé prendre sa chance et tout ce qu'il vit là. Je l'ai enterré, j'enfuis ça dans la tombe de mon père, c'est-à-dire le grand-père de la victime en question. Et si jamais tu pars avec moi vers la tombe, je veux restituer, tu vas voir. Donc, mon frère, c'est une action. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des aveux. J'ai besoin que le monsieur soit guéri. Donc, on part maintenant vers la tombe. C'est-à-dire, nous autres, nous n'adorons pas un mort, nous n'adorons pas une tombe. Mais comme la bénédiction est enfouie dans la tombe, nous étions déjà au village, il fallait que l'action soit menée. Donc écoutez, voilà, parce que vous êtes là, vous parlez beaucoup là. Prophète Krasso, il a trop de vidéos. Voilà, et donc tes amis étaient, n'est-ce pas, ramener la bénédiction du frère en question. Amen. Voilà, qui a Dieu la gloire. Voilà, donc ne voyez pas tellement cette action, mais c'est une action prophétique qui va ramener la bénédiction et la guérison du frère. Je t'ai vu la nuit là, autour de la maison, mais il m'a expliqué ça tout à l'heure. Bon, il y avait le son du maréchal là, je parlais avec un sorcier. Allons-y, 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 tu as donné la chance du monsieur. Mais c'est ici qu'il enfuit la bénédiction de son fils en sorcellerie, c'est la tombe de son père. Ça, c'est sa tombe du père. Oui, c'est la tombe de son père. C'est son père qui ici. Donc le monsieur en question, le sorcier, il a récupéré la chance. Vraiment, c'est des mystères. Et nous sommes en train de, n'est-ce pas, sensibiliser la conscience des Africains sur ce flou qu'on appelle la sorcellerie. Jésus même a dit aller dans un village détaché de la non. Vous voyez, depuis la ville, le monsieur souffre, entend son problème clé, vient du village. Je vais poser, où tu as mis la chance de ton fils là? Oh là, je l'ai eu. Regardez le sorcier. Regardez le sorcier. Vous voyez, voici l'effet de la sorcellerie. Ce n'est pas des montages, c'est des choses vraies. Où tu as mis la chance et il touche la chose, il dit c'est là. Regardez. Et regardez bien. Celui qui enfuit la bénédiction de son fils en sorcellerie, c'est la tombe de son père. Ça, c'est sa tombe du père. Oui, c'est la tombe de son père. C'est son père qui ici. Donc, le monsieur en question, le sorcier, il a récupéré la chance. Vraiment, c'est des mystères. Et nous sommes en train de, n'est-ce pas, sensibiliser la conscience des Africains sur ce flou qu'on appelle la sorcellerie. Jésus même a dit aller dans un village détaché de la non. Vous voyez, depuis la ville, le monsieur souffre. Entend son problème clé vient du village. Je vais poser. Où tu as mis la chance de ton fils là? Oh là, je l'ai eu de loin. Regardez ce qu'il fait. Prends la tombe, regardez.
Il a parlé seulement, il a pris. Donc quand il est arrivé, il dit la même chose qu'il a dit que c'est la chance de mon fils, je l'ai ici. Il dit la peur de lui là, faut pas aller tuer. Il dit ça ne peut pas me tuer parce que de toute façon j'ai peur de toi là, ton huile là ça peut me tuer. Regardez la vidéo, suivez très bien. Ce sera que le ministère, le prophète Crasso, c'est pas un ministère à blâmer. C'est pas un ministère, c'est au contraire, c'est un ministère à encourager. Ce ministère-là, on doit l'encourager. C'est pour cela que merci pour ceux qui sont en train d'organiser ma venue sur le Cameroun. Je serai très bientôt au Cameroun pour aider le peuple camerounais. Je serai aussi au Bénin pour aider les Béninois, pour aider tout le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, ce monsieur, on me rencontre. Je suis prophète et maricha de la brigade qui combat les œuvres de la sorcellerie. Voici un monsieur, un enfant. Et ce que vous ne savez pas, c'est que son fils, il avait 28 hectares d'EVA. Vous savez ce qu'on appelle l'EVA? En Côte d'Ivoire, chaque mois, c'est de la récolte et puis c'est de l'argent qu'on lui paye chaque fin du mois. Mais malgré qu'il aidait son père, malgré qu'il a construit une maison à son père a décidé de l'éliminer. Donc j'ai posé la question au père, à son papa, parce qu'il souffrait. Et les médecins n'arrivent pas à comprendre que le monsieur, il a 12 tensions, c'est normal. La tension est normale. Pourquoi il fait la crise de tension? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, on comprend déjà qu'il y a une même mystique derrière. Donc, j'étais en tournée dans la région de Soubré, et comme ça, on emmène à ma croisade. Je l'ai touché, je lui ai dit, mon frère, ainsi parle l'Éternel. Je vois que ton papa, c'est ton père, pendant que je pars, ton père au village, son papa, il est sorcier, il a enterré ta bénédiction dans une tombe. Et c'est ton père. Dès que je rencontre ton père, tu seras délivré. Il a réalisé, ah, prophète, mon papa, il est tellement gentil, je lui ai fait beaucoup de choses. Il faut laisser ça. C'est ton père, je suis d'accord. Je sais que c'est choquant pour toi, mais ainsi parle l'Éternel. Je suis prophète de l'Éternel. Je te dis les choses, pas pour te faire plaisir. Je te dis des choses parce que je veux te délivrer, frère. Voici d'où vient ton problème. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, envoie-moi dans le village. Vous savez, je suis allé dans son village. Je ne suis pas resté en ville. Il y a des gens qui restent en ville pour régler. Moi, je suis allé dans le village. Et quand je suis rentré dans son village, son papa voulait me manger avec la sauce djumblé. Donc la nuit, il tournait autour de la porte, il voulait m'attaquer, il n'a pas pu m'attaquer, il a commencé à trembler. Parce que frère, quand vous rentrez dans un village, le jour où tu rentres dans un village,
à la rentrée du village, abaisse-toi, mets ta main droite, sur la terre. Et puis tu dis, je possède ce village. J'ordonne que tous les esprits de la sorcellerie, tous les pouvoirs mystiques se soumettent à moi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, déclare que là où fleurira tes pieds, Dieu te donne ce territoire en héritage. Vous comprenez? Voilà, donc du coup, je prends le dessus sur tout le pouvoir de la sorcellerie au sein du village. Et en même temps, tous les renforts qui venaient la nuit étaient matés par la puissance de Dieu. Donc j'ai commencé et j'ai vaincu le pouvoir de la sorcellerie avec l'aide de Dieu. Vous comprenez? Voilà, c'est pour cela que c'est vraiment important. Donc j'ai dit, il m'a dit, non, ça serait difficile, mon papa. Il a dit, non, il faut laisser la suite, là, laisse ça. Ce que toi, tu imagines, là, laisse. Je suis maréchal, la brigade anti-sorcier. Je rentre dans ce village, ton papa rendra témoignage. Ce que j'ai dit, là, il va te restituer ta chance. Voilà, donc on est rentré dans le village. Et donc, voici ça. Voilà, donc, je m'en vais. Voici le combat que je mène. Ben, c'est ici qu'il enfuit la bénédiction de son fils. Regardez, je suis allé jusqu'au village. Si le prophète Crasso est ici à Paris, c'est pour venir vous aider. Sinon, je suis un homme qui va dans les villages. Vraiment, c'est des mystères. Et nous sommes en train de, n'est-ce pas, sensibiliser la conscience des Africains sur ce flou qu'on appelle la société. Jésus même a dit aller dans un village détaché de l'annon. Vous voyez, depuis la ville, le monsieur souffre, entend son problème clair vient du village. Je vais poser. Où tu as mis la chambre de ton fils là? Oh là, je l'ai dit, Roi. Regardez, lui-même il dit. Je demande où tu as mis la chambre de ton fils. Où tu as mis la chambre de ton fils? Effectivement, ce qu'il a dit là, ce qu'il est en train de se passer. Où tu as mis la chambre de ton fils? Et lui, il répond tranquillement. Il répond tranquillement. Il faut que je vous montre un peu. Vraiment, c'est des mystères. Oh, ça, évidemment. Je vais poser. Où tu as mis la chambre de ton fils? Regardez, où tu as mis la chambre de ton fils? Et regardez ce qu'il va faire. C'est une tombe là. C'est là dans la tombe là. Il dit c'est de la nuit, il est venu là. Il dit comment tu as amené, il dit j'ai fait comme ça, j'ai regardé mon fils, j'ai regardé toi dans les yeux, j'ai fait comme ça. Donc, vous voyez, il a fait comme ça. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Si vous allez dans une maison, vous partez quelque part, vous avez vu que la maison est propre, la nuit, un hôtel qui est propre dans la nuit, et vous voyez qu'il y a une mouche qui vous suit dans les toilettes, il y a une mouche qui vous suit dans la chambre, vous voyez que c'est la nuit, tout est propre. Je ne peux pas imaginer qu'il y a une mouche. Ça veut dire qu'il faut tuer cette mouche-là. Ça veut dire que c'est un espion satanique qui est en train de te suivre. Faites attention aux gens qui viennent imposer les mains à vos têtes. Faites attention aux gens qui aimeraient vous demander un habit, vous dire l'habit que tu ne portes plus. Vous savez, quand votre habit, là, il y a la sueur. Et à partir de la sueur, on peut déjà vous avoir. Quand il dit l'habit que tu ne portes plus, donne-moi ça, que tu lui donnes, à partir de l'habit, il peut te tuer. Même à partir des chaussures, il peut te tuer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il dit que son fils était là comme ça, son fils était là et puis il a fait comme ça. Il a fait comme ça sur la tête de son fils. Il a fait comme ça sur la tête de ta fille. En faisant comme ça sur la tête, il a dit simplement, je prends sa chance. Vous voyez la puissance de la parole. La puissance de la parole en matière de sorcellerie. Je prends sa chance. Je prends son âme.
Je prends son âme. Il dit, je prends sa chance et je prends son âme. Il a pu capturer son âme parce que la nuit, il a traité avec son âme. Donc, il prend son âme. Voilà, il prend son âme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant pour enfuir ça dans la tombe. Imaginez-vous une tombe, mais ce n'est pas bien. Voilà. Il dit, mais son fils dormait. Pardon, ce n'était pas la nuit. Vous êtes très bien. Écoutez très bien, il dit, je prends la chance de mon fils et je pars avec. Vous dites là, vous êtes là, vous dites non, normalement pas toi. Mais voici un père, bien qu'il soit père, il est sorcier. Il dit, je prends la chance de mon fils, ce n'est pas son neveu, son fils biologique. Il dit, je prends la chance de mon fils et je pars avec. Hé, papa, ton fils t'a fait quoi? Oh, ce monsieur, il a construit sa maison, tu l'as détruit. Je prends la chance de mon fils. Et si le monsieur ne m'a pas rencontré, ce qui est intéressant, c'est que le monsieur a été guéri. Quand on a posé l'action prophétique, il a été guéri de cette maladie. Puissamment guéri de cette maladie. Donc mon ministère ne prenait pas... Attends, frère, je suis une bénédiction pour l'Afrique. Je suis une bénédiction. Il dit non, c'est la parole seulement, il a pris. Il dit, mais c'est ça qu'on appelle sorcellerie. Il dit, quand il est arrivé là-bas aussi, c'est la chambre de mon fils que je mets dans la tombe là. Répondez à ces deux sorciers qui sont en ligne. Moi, je suis en train de commenter la vidéo. Bon, maintenant, il dit maintenant il enlève la chance de son fils. Amen. Amen. Il dit, oh, ton nul là. Ton nul là, on ne peut pas me tuer. Ton nul. Nous venons au nom de Jésus restituer la bénédiction de ce frère, Raquet, Dédé, Raphaël. À compter d'aujourd'hui, sa bénédiction est restituée au nom de Jésus. Amen. Ils ne sont pas en train de faire un culte aux morts, mais juste prendre la bénédiction, restituer la bénédiction de ce frère, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y. Allô. Allô. Allô, 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 allô. Oh, allô. Oh. Attendez. Je suis Il a su ses yeux. Voici ce qui se passe, mes frères. Si vous voyez que le prophète est révolté contre la sorcellerie, voici ce qui se passe. Papa, vous pouvez lui faire la sortie de... Ok. On vient maintenant de la sortie. Ici, c'est le cimetière. Il avait, comme j'ai dit tout à l'heure, enfui la bénédiction du frère dans la tombe. C'est son père, qui est le grand-père de Kaki, Dédé, Raphaël. Donc, c'est la sortie, là, tout ça. Amen. Il va maintenant restituer. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de passer aux aveux. Nous allons plus au-delà. C'est-à-dire au-delà des aveux. Quand le monsieur confesse, il faut que la bénédiction soit restituée. C'est ça qui est plus important. C'est la restitution. Il faut que le monsieur reçoive sa guérison, qu'il reçoive vraiment le miracle de Dieu. Donc le monsieur, c'est son père en question. Il a tout ça dans la main, donc c'est pour la restitution. Allô? Voilà. Maintenant, tu comprends. Il faut qu'on aide. Oui, Fontaine. Oui, ça va, comme ça, Fontaine est parti.
Donc vous voyez, comme à la sorcellerie. Voici son fils. Vous parlez ailleurs. On va faire un peu de temps. On se convaincu qu'il va maintenant guérir. Ah, non, c'est pas moi. Maman, nous, on va écoutez très bien. Voici son temps, il a maintenant en face de son fils pour restituer. Il en face maintenant de son fils. Il est en train de parler à son fils. Son fils lui demande, est-ce que tu as su de ce que tu dis là, tu as su? Son fils lui demande, est-ce que tu as su de ce que tu dis? Oui. Et quand il a donné la chance de son fils pour dire, tiens, le lendemain, son fils s'est levé, il a commencé à marcher. C'est fini, le fils a été miraculeusement guéri. La sorcellerie, frère, c'est pas de l'amusement. Je suis allé au cœur de la sorcellerie. Dans les villages, dans les coins les plus reculés. Voici une vidéo. Vous qui faites entendre aux gens que non, ma maman ne peut pas être sorcier. Non, non. Oui, on honore le père. Oui, on va honorer la mère, selon la Bible. Mais il y a des choses qui se passent. Par moment, la maman peut être sorcier. Si elle nous a mis au monde, vous allez dire, mais si elle t'a mis au monde, pourquoi tu n'as pas encore mangé? Mais n'oubliez pas que c'est le sorcier Pharaon qui a élevé Moïse.
Malgré sa sorcellerie, il s'est élevé Moïse. Moïse a grandi dans la maison d'un sorcier. Pharaon n'était pas un chrétien. Pharaon n'était pas un juif. Pharaon, c'était un astrologue, un magicien qui vivait dans l'occultisme. Mais malgré que Pharaon était sorcier, mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Ta maman peut être sorcier, ton père peut être sorcier. Et puis vive, parce que la vie que tu as n'appartient pas à ta mère ni ton père. C'est une grâce de Dieu qui fait que même tu es né d'une mère ou un père sorcier, mais Dieu te protège contre la sorcellerie. Ça ne veut pas dire comme tu n'es pas mort que ta maman ou ton père ne peut pas être sorcier. Donc, affaire de sorcellerie, quand ta mère ou ton père est décédé, frère, ne prends pas parti, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Voici un père, voici l'exemple d'une vidéo que je viens de vous montrer dans un village appelé Opoyo, dans la région de Soubré. Oui, c'est, je vous parle d'une histoire de 2000, dans les 2009-10 là-bas, n'est-ce pas? Parce que le maraîcher a commencé depuis 2006, son combat contre les œuvres de la sorcellerie a commencé. Donc, dans le village, je donne la révélation que la bénédiction de monsieur en fut dans la tombe. Et du coup, et il fallait aller là-bas et on sommes partis. Mais le monsieur, il a reconnu effectivement exactement ce qu'il a dit. Il a reconnu. Il a reconnu. C'est pas question de... Chacun a son don. Frère, c'est pour ça que je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. Je suis une bénédiction. Ouais, à chaque époque, Dieu suscite les hommes de Dieu. Leur donne une notion particulière. Quand je vais arriver au Burkina, c'est la même chose qui va se passer. Quand je vais arriver au Cameroun, c'est la même chose. Je suis là en train d'aider les gens. J'ai pu, n'est-ce pas, capturer, c'est-à-dire mettre la main sur le brigade, le sorcier, le mangeur d'âmes. Et je leur donnais, selon l'ordre de Dieu, d'aller restituer la bénédiction. Il a fait. Il a redonné la bénédiction de son fils. Son fils a marché. Donc, je suis une bénédiction. Mon don, c'est d'aider à rentrer dans des grâces. À un moment donné de ta vie, les sorciers viennent bloquer ta destinée. Les sorciers viennent bloquer ta vie. Les sorciers t'empêchent de rentrer dans tes grâces. Je suis venu. Dieu, par mon canal, peut encore te délivrer. Alors, la sorcellerie familiale, vous comprenez? La sorcellerie familiale, dans la sorcellerie, d'abord, elle est familiale. Donc, quand un sorcier dans la famille, il va commencer, n'est-ce pas, à commencer à attaquer les gens les plus importants. Quand une sorcellerie est d'abord familiale, d'abord la sorcellerie familiale, donc le sorcier dans la famille, il va commencer d'abord. Vous allez comprendre que dans la famille, vous allez commencer à avoir un élément de votre famille qui sera toujours jaloux. Remarquez très bien. Celui qui est toujours jaloux et envieux, il va toujours être jaloux. La personne, elle va être jalouse, elle va jalouser tout le monde, elle va dans son coin, elle va penser que c'est elle. Voilà, elle va commencer, elle va toujours bouder la bénédiction de cette personne. Elle va toujours, c'est elle toujours qui se plaint, c'est elle toujours qui veut se faire voir, c'est elle toujours qui a toujours raison, c'est elle toujours. Donc, vous allez remarquer, c'est l'élément que vous voyez là, les petits signes que vous voyez, c'est une banque qui ne sont de même les gens en palabre. Déjà, prouve que la personne, vous voyez, l'élément la plus puissant en matière de sorcellerie, Seigneur, c'est la jalousie et l'envie. Le jour où Saül a jalousé, n'est-ce pas, la bénédiction de David, il est devenu sorcier. Donc, un vrai sorcier, c'est un jaloux. Et puis, la personne ment, un mensonge grave, et la personne a une haine terrible. La personne a une haine, elle ne s'est pas partagée, elle est méchante. Ça, c'est déjà des éléments clés qui montrent, qui démontrent la sorcellerie, qui démontrent la sorcellerie. Et la personne, quand tu commences à construire ta maison, c'est elle toujours qui va te dire, mais elle va toujours se plaindre. Et la personne ne s'est pas dit merci. Généralement, les personnes comme ça, elles ne s'est pas dit merci. Malgré tout ce que tu feras pour cette personne, tu vas beau faire pour la personne, elle ne sait jamais reconnaître ça. C'est ça encore l'élément, c'est encore plus vilain. C'est que les sorciers ne reconnaissent pas. Hein? Ils ne sont pas reconnaissants. Hein? Ils ne sont pas reconnaissants. Hein? C'est pour ça que la maman même, le sorcier, mais tu as beau construire, il faut le faire voyager à Côte d'Azur, aller se reposer dans les Miami, dans les trucs, le jus va t'attraper, il va te manger sans réfléchir avec la sauce, voilà là, voilà et là, voilà là, et placali. Il va te manger, manger même ta nuque, il va tirer ta nuque, et là, à partir de ta nuque, là où il y a le cerveau, là, il va tirer ça. Ils sont ingrats, merci, ils sont ingrats. Et aussi l'ingratitude. L'ingratitude, c'est ingrat. Toi-même, tu es étonné. La personne à qui tu as fait du bien, c'est elle qui s'élève. Et puis, ils aiment bien se révolter. Tu as beau faire les choses pour lui, il va toujours, va jamais reconnaître. Voilà, l'ingratitude, c'est un élément terrible envers les œuvres de la sorcellerie. L'ingratitude. Les sorciers sont très ingrats.
Il ne reconnaît jamais. Tu vas beau faire pour lui, il ne reconnaît pas. Donc, il y a des éléments clés que vous allez reconnaître dans la famille. Il y a des éléments. Et puis, c'est les personnes qui veulent toujours savoir tout de toi. Toi, tu ne sais rien de lui, mais c'est lui qui veut toujours savoir de toi beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Donc, il s'agit maintenant de comprendre que, d'abord, il faut savoir avec qui tu pars dans la famille. Tu vas voir que la personne va commencer à te jalouser. Elle va commencer à te monter contre le reste de ta famille. C'est comme ça le sort. Elle va commencer à te monter. Elle va penser qu'elle a toujours raison. L'autre n'est pas bien. L'autre n'est pas bien. L'autre n'est pas bien. Vous comprenez? L'autre n'est pas bien. Voilà, l'autre n'est pas bien. L'autre n'est pas bien. Vous voyez? L'autre n'est pas bien. L'autre n'est pas bien. Donc, commencez à comprendre déjà que dans la famille, il va avoir des gens. Il va avoir des gens pour vous attaquer. Et sur cela, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut commencer à ouvrir les yeux. Voilà, il faut commencer à ouvrir les yeux. Si ton mari commence à te jalouser, parce que tu entends de faire tant de temps. Parce qu'il peut avoir aussi un mari jaloux. Il peut aussi avoir une femme jalouse. Dans votre vie de couple, il peut avoir un mari jaloux. Tu fais quelque chose, il te jalouse. Et mari, t'es jalouse. La femme, t'es jalouse. Voilà. Donc, la jalousie, n'est-ce pas? L'ingratitude, ça n'a pas dit merci. À cause des petites choses, tu m'as donné la petite. Mais au moins, il t'a donné. Tu n'avais pas ça, on t'a donné. Petite chose, t'as donné là. Petite chose. Il te dit même pas merci, mais il voit ça en petit. Mais petit, le jour où tu avais besoin de ça, je t'ai donné. Le jour où tu étais dans les besoins, je me suis sacrifié au moins pour te donner. Le sorcier, il faut faire 90 dons. Le jour où tu dis, je n'ai pas aujourd'hui à te donner, il va t'attaquer. Le jour où tu n'auras même pas ce jour et quelque chose, il va t'attaquer. Donc, c'est ça la sorcellerie. C'est ça qui ouvrait les yeux. L'ingratitude, la jalousie, l'envie, n'est-ce pas? La haine. C'est ce que la jalousie haineuse. Voilà, la jalousie haineuse. Vous comprenez? Donc, vous devez ouvrir les yeux pour comprendre. Aujourd'hui, frère, le ministère que je conduis, que je dirige, a, n'est-ce pas, reçu le mandat de Dieu de vous ouvrir les yeux. Nous vous ouvrons les yeux pour dire la sorcellerie existe bel et bien. Elle est autour de nous. Elle est autour de nous. Ouvrons les yeux. En faisant attention à ceux à qui nous parlons, avec ceux à qui nous nous confions, parce que la sorcellerie est en train de prendre de l'ampleur. Nos enfants sont maintenant impliqués dans la sorcellerie. Ils sont en train d'initier les gens à la sorcellerie. Et l'Église doit s'élever. L'Église doit jouer le rôle d'éclaireur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous éclairer sur les œuvres de la sorcellerie. Maintenant, la stratégie est mise en place. Si frère, il y a un élément qui est très important sur lequel je vais revenir peut-être demain encore. Vous savez, David a dit, quand ils étaient malades, je faisais le deuil. Vous savez, quand vous voulez combattre la sorcellerie familiale, quand vous voulez combattre la sorcellerie familiale dans votre famille, basez-vous sur les éléments tels que « Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait à ces personnes. » Et pour rien, ils se révoltent contre moi. Quand vous rentrez dans un moment de prière, pour rappeler au Seigneur ce que vous avez fait à cette personne, quand vous rappelez au Seigneur ce que vous avez fait à cette personne, et puis dites au Seigneur « Viens me rendre justice. » La personne n'a même pas duré sur la terre. La personne là-même sera fermée. Parce que quand tu dis à Dieu, viens me rendre justice, parce que voici ce que j'ai fait à cette personne. Un moment de ma vie, j'ai posé un acte dans la vie de telle personne. Un moment de ma vie, j'ai posé un acte dans la vie de telle personne. Un moment de la vie, j'ai posé un acte dans la vie de telle personne. Seigneur, viens me rendre justice. Vous allez voir que le Seigneur va commencer pleinement à agir dans votre vie. Le Seigneur va commencer pleinement à agir dans votre vie. Vous comprenez? Voilà, donc voici un peu ça. Et comme je vous disais, à partir du nombril, le cordon, déconnectez-vous. Parce qu'à partir, quand quelqu'un veut vous avoir en matière de sorcellerie familiale, et, n'est-ce pas, il peut maintenant commencer à toucher son ventre parce qu'il a le cordon. Le cordon, vous vous déconnectez de ça. Vous comprenez? Donc, je vous encourage à rentrer dans une prière. Et attends, ce que je vais vous dire ce soir, on ne peut pas remporter la victoire en pleurant. On ne peut pas remporter la victoire en étant assis. Toute victoire se remporte dans la prière. Et quand on parle de victoire, c'est qu'on a prié. C'est pour ça que vous devez comprendre que ce n'est pas un homme. C'est vrai, on peut venir t'aider. Mais la victoire, c'est ça, dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est pour cela que lève-toi, sois une femme de prière, sois un homme de prière. En même temps, il faut avoir le discernement. Il faut savoir, et ça c'est très important, ceux avec qui tu parles, ceux avec qui, n'est-ce pas, tu t'entretiens, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas n'importe qui va venir poser ta main à ta tête, ce n'est pas n'importe qui tu viens te confier, parce que la sorcellerie sont la recherche des hommes qui ont une étoile, qui sont la recherche des hommes qui ont une étoile. Un sorcier, un mystique, qui sait qu'une fille a un don de commerce, par exemple, et que lui, il veut faire du business, il est un homme d'affaires, il veut faire du business, il voit une fille sur le trottoir pendant qu'il est en train de passer en voiture, à cause du fait, parce qu'il a ce don-là, de savoir ce qui est en toi.
ce pouvoir de savoir ce qui est en toi, il va commencer à même mettre, si vous voulez, 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Ce n'est que prendre ta petite chance. C'est quoi? C'est tellement simple. Il va chercher à avoir des rapports avec toi. Il va chercher à avoir des rapports avec toi. Et pendant qu'il a des rapports avec toi, il va faire des incantations. Pendant que tu couches avec toi, il fait des incantations et puis prend ta chance. Dès qu'il prend ta chance, il te donne. Tu as pensé que tu as eu 20 000 euros, 30 000 euros. Mais frère, les 20 000 euros là, lui, il a pris toute ta vie. Il a pris toute ta chance. C'est comme ça. C'est comme tu rentres en contact avec une femme sorcière, une prostituée. Tu éjacues. Excusez-moi, même dans le sperme, excusez-moi, dans le préservatif, elle va récupérer le préservatif, le sperme qui est dedans. À partir de ce sperme-là, elle va commencer à détruire. Parce que le sperme, vous voyez, c'est blanc, excusez-moi, mais c'est du sang. À partir de ça, elle peut commencer déjà à sucer toute ta vie, à sucer toute ta grâce. Faites attention aux gens que vous fréquentez. Faites attention aux gens à qui vous confiez. Vous pouvez rencontrer un sorcier sur votre vie, déguisé en peau de d'agneau. Vous faites croire qu'il est gentil. Vous faites croire qu'il est gentil. Basez-vous sur la crainte de Dieu. Est-ce que cette personne a véritablement la crainte de Dieu? Est-ce que cette personne... Oui. Est-ce que cette personne... Parce que c'est ça. Ou la personne, excusez-moi, va te dire... Oh, je vais dire peut-être une bêtise. Hein. Elle va te dire, non, j'ai envie de te lécher avec une fille. Et pendant que la personne entrant à sa bouche dans ton sexe, et pendant que la personne a sa bouche dans ton sexe, elle est en train de prendre toute la chance de cette fille. Malheureusement, elle prend. Parce que tu ne le connais pas. Il t'a misé 20 000 euros, 30 000 euros. Voilà, toi, tu es content. Tu as eu quelqu'un. Oh non, j'aime ça. C'est pas mauvais de me lécher. Le monsieur lui met sa bouche dans ton sexe, mais il attend d'aspirer. Il aspire tout ce qu'il veut de toi. Et puis, c'est fini. Et lui, il a déjà donné l'argent, mais il a tout pris. Et puis, à un moment donné, toi qui savais, tu étais puissant commerce, tu tombes. Toi qui étais puissant truc, tu tombes. Aucun homme ne peut maintenant te regarder parce que le pouvoir que tu avais, c'est déjà parti. Le gars a bouffé ça, le gars a détruit ça au profit de son commerce. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes. Il préfère, c'est cela. On ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te venir t'égorger. Mais il fait de toi un sacrifice. Il prend ce qui est en toi. Et donc, toute la grâce, tu es là comme, n'est-ce pas, comme du vide en toi. Il provoque le vide en toi. Donc, faites très attention. Faites très attention. Donc, c'était le prophète Crasso depuis Paris. Vous avez suivi la chaîne des mystères. Demain, je reviens encore sur un élément. Je vais poursuivre encore comment détruire la sorcellerie familiale. Je vais vous révéler encore, on va parler du pouvoir du soleil. Qu'est-ce que le soleil peut faire dans le prophétique? Nous allons parler un peu beaucoup de ça. Soutenez le ministère. Aidez-nous à avancer, à éclairer beaucoup de gens. Nous n'allons pas cesser de vous éclairer. Malgré que les gens nous insultent, malgré tout ce qu'ils feront, nous n'allons pas cesser de vous éclairer. Parce que pour nous, notre devoir, c'est de vous éclairer. Notre rôle à nous, c'est de vous éclairer. Nous sommes la lumière du monde et la lumière ne peut pas être cachée. Nous sommes en train de vous éclairer. Soutenez notre ministère, aidez-nous. Déjà, aidez-nous, soutenez le ministère. Nous avons déjà un RIB. Ceux qui veulent nous soutenir, soutenez-nous. Et vous devez le faire. N'oubliez pas que nous avons un grand programme le 8 de ce mois, le 8 juillet, à partir du 8, de 12h à 15h. Nous allons installer une grande église sur Paris. Voilà, une grande église sur Paris. Shalom à vous. N'oubliez pas de prier avant de dormir parce que c'est très important. Nous sommes à une période de la lune croissance, et bientôt en pleine lune. Restez dans la prière. Commencez à renverser les forteresses. Commencez à attaquer la sorcellerie familiale. Commencez à attaquer beaucoup de choses. Là où vous êtes, je prie que la main de Dieu vous protège et que Dieu vous ouvre les yeux. La puissante, la main de Dieu vous ouvre les yeux. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Seigneur, étends ta main. Bénis ces personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Et Dieu, s'il y avait un sorcier dans leur famille, autour d'eux, un collaborateur, une assistante, quelque part, un servant, ou une servante, quelqu'un dans son environnement qui était sorcier, ouvre les yeux à ces personnes afin de pouvoir détecter ces sorciers. Seigneur, étends ta main. Bénis ces personnes maintenant. Que ta grâce abonde dans leur vie. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Recevez la main de Dieu sur vous. Recevez la restauration. Que Dieu délivre votre bénédiction. Là où c'est enfui, depuis le village, si c'était caché dans une tombe, Dieu restitue votre bénédiction. Si c'était caché quelque part, oui, dans une forêt, Dieu restitue votre bénédiction. Recevez-la maintenant. Recevez-la. Que le sorcier qui vous...
et qui vous en veut, qui veut vous nuire, rencontre la main de l'Éternel. Je convoque ce sorcier devant le jugement, le tribunal de Dieu. Que le sort, la sorcellerie restitue ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois, toi qui m'écoutes maintenant. Pendant que tu regardes cette vidéo, tu étais malade. Reçois ta guérison. Reçois. Tu n'avais pas du travail. Dieu te donne du travail. Dieu te guérit maintenant. Dieu te donne du travail. Dieu te bénit là où tu es. Dieu confond tes ennemis. Dieu confond la sorcellerie de ta vie. Reçois ton miracle. Reçois pendant que tu m'entends. Dieu te guérit. Dieu te délivre. Dieu te fait du bien. Pendant que tu m'écoutes maintenant, le miracle est à portée. Dieu te touche là où tu es. La main de Dieu te touche. Tu n'arrivais pas à enfanter, mais reçois le miracle de l'enfantement. Parce que la Bible déclare que la stérile enfantera sept fois. Reçois le miracle de l'enfantement. Ton diplôme planait, tu n'arrivais pas à avoir d'emploi, mais Dieu te crée une opportunité d'emploi. Dieu te donne de l'emploi au nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre de cette misère que tu entends de traverser. Dieu te délivre de cette pauvreté au nom de Jésus. Dieu bénit ton commerce maintenant même. Reçois. Reçois ton miracle, reçois, reçois la grâce de Dieu, reçois. Cette nuit, tu verras un ange te montrer beaucoup de choses dans ton rêve. Cette nuit, Dieu te montrera des choses terribles. Dieu te révélera les choses les plus terribles en matière de sorcellerie sur ta vie. Reçois. Que Dieu vous donne des dons, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, que vous donne le don de discernement, que Dieu vous donne les dons les plus terribles. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, il y a des femmes qui n'arrivaient pas à avoir une relation. Quand tu as une relation, ça se gâte. Ça se gâte, ça n'arrive pas à profiter. Parce que quelque part, il y a un sorcier ou une sorcière qui a fait de toi son époux ou son épouse. Maintenant, reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle. Je te sépare de ces maladies, de ces mariages mystiques, de ces mariages sataniques. Et reçois le miracle de Dieu là où tu es. Je crois qu'après avoir prié pour toi, toi qui avais le fibrome dans le ventre, toi qui avais cette maladie dans le ventre, après cette prière, ça va sortir. Tu iras aux toilettes et la maladie sortira de toi. Et toi qui étais bloqué, en cette semaine qui entend de s'annoncer, Dieu permettra qu'on voit ton dossier. Dieu permettra qu'on t'appelle, qu'on te donne du travail. Reçois la bénédiction. Après avoir écouté cette prière, après avoir écouté cette vidéo, ta vie ne sera pas pareille. Ta vie ne sera plus la même personne. Non, tu pars maintenant d'une étape de pauvreté à la richesse, à la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, je te repositionne dans la grandeur, dans la grâce de Dieu, dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Là, maintenant, pendant que je parle, reçois ta grâce, reçois-la, reçois la bénédiction, reçois ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On s'attrape demain. Demain, on s'attrape demain encore. Oh, la rencontre des mystères. Je vais vous détailler le pouvoir de la franc-maçonnerie, comment le diable travaille avec les enfants, des femmes, dans la rue et tout ça. Je vais vous enseigner comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie familiale. Je vais rentrer encore dans beaucoup de détails, des petits signes, beaucoup de détails. Beaucoup de détails demain. L'heure est prise pour 22h, heure de l'Europe. Et on aura l'occasion de partager des sujets de prière, prier pour vous. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonne soirée à vous.